différencie beaucoup du cabaret, dans le sens où là, on est vraiment... On se dévoile pas non seulement parce qu'on se monte sur scène, mais on se dévoile, enfin, littéralement. Donc, je veux dire, c'est vraiment une mise à nu dans tous les sens du terme. C'est Betty qui l'explique très bien, d'ailleurs, qui le dit quand elle est partie de ses mères. C'est pas seulement une mise à nu physique, c'est quelque chose de très psychologique, de très réfléchi un peu derrière. Cette timidité de minimer pour tout, donc je parlais pas, je dis rien, quoi. Et là, ça m'a... Bah, ça m'a libérée de cette timidité qui me bouffait, parce que ça ne fait rien. Ça a fait ressortir une féminité que mon père, donc l'éducation que j'ai eue, parce que pourtant ma mère était quand même plutôt féminine, lui a complètement endormi, ça c'était pas possible. Alors, je vais juste, je la regarde d'eau, je rentre, je suis loin, j'étais dans mes quoi, voilà. Alors que pas du tout, tellement pas. J'étais dans mon petit coin, je faisais ma personne, je faisais mon bouquin, c'est moi tranquille. Et en fait, le burlesque, au pire, ça m'a plus permis de dire aux gens, bah ouais. Si j'ai envie d'être une pimpée, bah, je le suis. Si j'ai envie d'être la fille candide, je le suis aussi. Il y a des jours où j'ai pas du tout envie de me dévoiler. J'arrive presque en jogging, mais bon, je viens parce que l'ambiance, elle est géniale. Et on n'est pas jugé entre nous et on se soutient. C'est pas Manon qui monte sur scène, c'est... Bah, Milirette, par exemple, ou celle que j'ai décidé d'incarner au moment où je suis sur scène. Ouais. Un jour, ça va être la femme fatale, la femme d'après, ça va être la ménagère complètement timbrée. Mon fils ne vient même pas me voir parce que ça lui paraît impossible que sa maman se déshabille sur scène. Mais sinon, mes filles, elles adorent ça, elles sont fans, mes cousines, toute ma famille, ma grand-mère, tout le monde. C'est du pur bonheur, c'est une bouffée d'oxygène. Je redemanderai encore et encore de monter sur scène à chaque fois.